Maintenant, tu dis. Hey, non, c'est ça, non, mais maintenant, l'expression, tu dis. What happens in Vegas is now on live stream. What happens in Vegas is in Vegas. No. Pour le son,
C'est directement dans la console, puis c'est sur cette caméra-là que le son va être capté pour les micros. Okay. Je vais avoir un son ambiant ici, puis la web diffusion aussi va avoir un son ambiant. On est équipé, on va avoir trois caméras pour filmer en plus pour la captation vidéo, pour le montage audio aussi. Ça c'est fait. Ok. C'est quoi que je voulais faire là? Je suis en train de jacker ça. Il y a de l'air. Hey, je t'ai pas dit de fermer. I will not get anybody's head in my way. Nor will I unless they stand up. And I did not even open my legs full neither. This is as much as I can do with this tripod, but damn, come and try the food. Celle-là aussi, si je la slack un peu, là. Ouais, but... you cannot pan, you can pan, but you cannot tilt because it's locked. This is much smoother. Ouais, il est plus smooth, mais... C'est possible de faire un test de son? Parfait, merci. C'est le temps que le serveur s'il joue ça, traite les images. Là. Je viens de le voir parce qu'il venait de parler. Oui, mais c'est ça. Ça peut aller, c'est jamais live à seconde près. C'est pas le choix du compte. Mais c'est 5 à 20 secondes, c'est vraiment 20 secondes. Ça peut être top. Là. C'est bien rare de l'aller ici. Ah! J'aurais préféré qu'il me tombe dessus qu'il tombe à terre. It's over the
It's overkill. It's like, maybe 10 years down the line, 5 to 10 years down the line, 4K will be like something big. But I think it's going to be something completely different.
passer dans 5 minutes. Mais comme il y a plein de belles places en avant et que ça va être assez interactif, on vous inviterait chaleureusement à vous rapprocher de la scène. Ça serait vraiment cool. Comme ça, on va pouvoir quand même essayer de monter qu'il y a une foule immense ici. Du coup, vous êtes suffisamment sûr. C'est possible que les gens dans les deux premières rangées, là, ça serait vraiment cool. Quand elle sera grande, elle sera le 5 de mai. Avec la ressortie de la petite.
I don't give a shit. Yeah. Okay, we got some time. Glory. Y'all talk to it. Et moi, j'avais proposé cette dernière. De toute façon, j'ai pas mal de goût pour ça me fait pas oui. Je la trouve très drôle, m'a dit franchement, moi aussi, je t'avais. Et leurs trois caméras ici, et également
tout ça est disponible sur le web. Et justement, on a un webmaster aujourd'hui, Philippe, qui est ici sur la passerelle, qui justement est en train de dialoguer via le chat qui est en ligne avec les gens qui sont en ligne finalement d'un peu partout en province, dont un groupe qui s'est organisé à Sherbrooke. Ils sont combien à Sherbrooke, Philippe? Merci.
Je voudrais commencer par remercier vraiment tous les professeurs qui sont les membres du RQRK qui ont participé à cet événement et à donner des notes aux élèves. C'est vraiment très, très apprécié. Un petit remerciement particulier au directeur adjoint Stéphane Reitschel qui a eu cette idée de faire un dévoilement des notes un petit peu plus, on pourrait dire, public. Alors, on va débuter par, commencer par vous dévoiler la note globale qui est attribuée à chacun des ministères. Auparavant, je dois vous dire que la commission scolaire a eu des coupures et vous avez vu, on est obligé de faire du bricolage avec les enfants. Donc, notre titre serait plus long que ça. C'est le bulletin de suivi de la politique d'action communautaire. On est obligé de... Les enfants ont un petit peu plus de misère là, à mettre ça tout droit. Mais ça fait partie des coupures. Hein. On fait avec ce qu'on a. Comment on s'appelle la job? Donc, je vais demander à notre secrétaire de direction de venir écrire les notes que je vais vous mentionner. On va commencer par les notes les plus basses. Et on vous donne juste la note globale, après ça, je vous aiderai avec quelques éléments. Donc, pour le ministère de la Justice, secrétariat à la condition féminine, nous avons la note de 16%. Ouh, c'est pas très bon. Oui, on gêne pas, on peut dire tous ensemble. Une autre note très basse, c'est le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Donc le dernier en bas, qui est 34%. Après, je regarde dans mes notes et je vois que la Société d'habitation du Québec, du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, a 47%. C'est pas très bon, hein? On est mal parti. Vous allez voir que la directrice n'est pas contente. Ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, en haut, le volet, c'est le volet éducation, 52%. C'est pas encore la note de passage, là. Je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. Après, j'irai au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Saquet, avec 58%. Vous voyez à quel point je peux être déçue. Je vous expliquerai tantôt pourquoi un de nos élèves qu'on pensait modèle. Ministère de la Santé et des Services sociaux, qui se trouve à être en bas de 16%. Donc, 60%. Ils pensent tout juste. Sur les 10. Vous savez que, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, je suis pas contente. après ça, on va au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui est le troisième. 63%. C'est pas fort, hein, pour l'inclusion. C'est pas fort, fort. Ça passe, mais ça passe pas fort. On a aussi le ministère des Relations internationales et de la francophonie en bas, 68%. Commence à monter un petit peu. On n'est pas encore au niveau du seuil acceptable. Le ministère de la Famille, 69%. On n'est pas encore au seuil acceptable. Le seuil acceptable, c'est 75%. Ça passe, mais ça passe pas fort. Et le ministère de la Culture et des Communications, 71%. Donc, c'est celui qui a la plus grosse note. Donc, la moyenne, ça passe pas, 54%. Merci, Marie-Josée, chère secrétaire. Petite note pendant que, maintenant qu'on a dévoilé les notes, on va passer dans les rangées pour vous donner le bulletin complet. Pas complet, non, mais le bulletin résumé avec toutes les notes dans chacun des critères qui ont été requis. Et si jamais, après, vous voulez avoir les notes complètes, elles vont être disponibles ici sur la rampe d'accès qui est à votre gauche. Et pour ceux qui sont en ligne et ceux qui vont vouloir les partager avec leurs membres, avec leurs amis, avec tout le monde, elles vont être disponibles.
disponible en ligne à compter de 13 heures sur le site de la SNVAK qui est le www.snv-aka.org. Merci beaucoup, chère Anne-Patrice. J'ai oublié de dire que les professeurs ont travaillé vraiment avec beaucoup de rigueur, hein, ils ont travaillé très fort, hein, que les notes, c'est des vraies notes. Donc, juste pour vous donner quelques petits résumés de tout ça, des notes globales très faibles, vous l'avez vu, en dessous de la note de passage, la majorité des élèves échouent, y compris le président du comité d'élèves, le Saquet. J'en suis pas content. Aucun élève n'atteint le seuil de compétence pour sa note globale. Il y a le ministère de la Culture et de la Communication qui s'en approche, il s'approche de 75%, mais je n'en aurai pas personne ici, mais on connaît le professeur, il n'est pas très sévère. Les élèves présentent des grandes difficultés dans les trois matières qui traitent du financement des organismes, l'indexation, seuil plancher et augmentation du financement, et auraient vraiment besoin d'un grand soutien de la part du tuteur, le premier ministre. Je donne des exemples. À l'indexation, il y a 7 élèves sur 10 qui échouent, qui ont 0. Donc, ça va pas bien pour l'indexation. Le seuil plancher, c'est-à-dire avoir un montant minimal de financement en soutien à la mission. Ceux qui en ont, parce qu'il y en a qui quand même se sont forcés un peu, c'est quand même très faible comme seuil plancher. Je vous donne un exemple. Le SAQUE, le seuil plancher de financement en soutien à la mission est de 30 000. Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est de 25 000. Et le ministère des Relations internationales est de 30 000 pour seulement 13 organismes. Alors, c'est pas beaucoup comme plancher. Hein? On peut pas faire vivre un local et un employé avec ça. L'augmentation, ben là, c'est zéro partout. C'est-à-dire, c'est tout le monde échoue. Tout le monde échoue. Donc, il va y avoir du gros rattrapage à faire à cet effet-là. Les matières, il y a deux matières qu'on trouve qui ont été bien assimilées par la plupart des élèves. C'est les critères de l'accord. La plupart ont les critères dans leur programme, les 8 critères. On est bien contents de ça. Et aussi, le critère du calendrier de versement, c'est-à-dire que est-ce que le calendrier de versement des subventions a été respecté? La plupart ont bien assimilé ça. Par contre, il y a deux élèves qui auraient à reprendre une ou deux de ces matières, vraiment, le secrétariat à la condition féminine et le ministère de l'Éducation, voici l'espoir, le volet éducation, aurait besoin de petit rattrapage. La moitié de la classe, aurait besoin de rattrapage pour la matière 1, qui était d'avoir un programme de soutien à la mission. Donc, on va avoir besoin d'aide là-dessus. Et aussi pour le développement des instances de communication entre les organismes et le ministère, il va y avoir du rattrapage à faire à cet effet-là. Je vous donne aussi un autre élément d'évaluation. Donc, un exemple plutôt, en rapport avec justement le programme de soutien à la mission. La Société de l'habitation du Québec a un programme de soutien à la mission, mais les OSBL d'habitation ne sont pas admissibles au programme. Donc, ça va mal un peu, là, hein, quand il y a les principaux groupes qui devraient être admissibles ne le sont pas. Et je pense aussi, dans les problèmes de communication, on pense au ministère qu'on trouve tellement long à dire, de développement durable, environnement, de lutte au changement climatique, qui a une note zéro, c'est vraiment pas sa force, les communications. D'ailleurs, on se demande où est le ministre. Et aussi, dans le programme de soutien à la mission, je voudrais aussi souligner qu'au ministère de la Famille, les organismes communautaires familles, c'est vrai qu'il y a des problèmes de soutien à la mission, qu'il y a une certaine prépondérance, mais il y a quand même 50%, il y a plusieurs organismes qui reçoivent 50% en entente de service pour les haltes et garderies. Donc, c'est pas normal. Là, c'est la partie évaluation. Je vais vous dire, il y a des mesures qu'on veut que
l'entreprise et c'est important et c'est urgent. Ça prend une rencontre avec le tuteur, le premier ministre, pour élaborer un programme de rattrapage qui soit adapté à chacun des élèves, parce que les élèves sont pour un niveau partout. Ça va prendre des travaux pratiques pour aider les élèves à traduire concrètement leur compréhension théorique de la matière. On voit qu'ils ont une petite compréhension, mais c'est pas mis en pratique. Ça va probablement prendre l'embauche d'un conseiller ou d'une conseillère pédagogique pour développer une démarche qui va faciliter l'acquisition des compétences des élèves. On a pensé aussi que des ressources supplémentaires devraient être disponibles pour les élèves qui présentent des difficultés, genre aide au devoir, orthopédagogue. On est un peu sceptique, là, voyant ce qui se passe présentement, mais nous, ça nous en prend. Je vous l'ai dit tantôt, hein, nos deux élèves, on avait deux élèves modèles qu'on pensait, mais les plus prometteurs, le SAQUET et le ministère de la Santé et Services sociaux. Et on trouve qu'il va falloir vraiment qu'ils fournissent plus d'efforts pour retrouver l'estime de la classe. Le président du comité d'élèves va surtout avoir besoin d'un soutien concerté de la part du professeur, des membres du RQAK, donc le SAQUET. Vous aider. Le tuteur, donc, va avoir besoin aussi d'être du tuteur du premier ministre et de la commission scolaire, le comité interministériel. Et tout ça pour rehausser le niveau de la classe. Et les demandes répétées du professeur, des professeurs aussi, pour une application rigoureuse du programme pédagogique doivent être prises en considération. Finalement, mon dernier point de mesure, c'est que vous avez sur votre feuille. La grande majorité, ça c'est ma pire déception, la grande majorité des élèves ne se sont même pas présentés en classe. Vous voyez, on a juste 10 élèves de noter ici. Là. Chou! Un gros chou collectif. Chou! Donc, pour nous, ça va être quelque chose à travailler. Si le tuteur, le premier ministre, son adjoint, le ministre d'Emploi et de la Solidarité sociale, n'agissent pas rapidement afin de ramener la grande classe des élèves absents, et vous l'avez dans vos feuilles, le professeur peut entreprendre des démarches auprès de la direction de la protection de la jeunesse, qui est la population québécoise, afin de dénoncer ces manquements. Donc, on a besoin d'un urgent besoin de support pour améliorer les performances. Et les professeurs, vous êtes ici, professeurs, vous êtes sûrement d'accord avec moi. Vous allez le faire, vous avez prévu des rencontres pour aider les élèves et faire appel au staff pour fournir l'aide dont nous avons besoin. Et merci, Madame la Directrice. Donc, comme on est en direct, en télé-réalité, je vous promets tantôt qu'on allait aller fouiner tous ensemble dans la salle des professeurs, parce que oui, Madame la Directrice, elle n'est pas contente. Mais qu'est-ce qu'il y en est finalement? Les professeurs, ben, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, j'invite les professeurs à se placer bien au niveau. Et moi, je disparais. Allô, Bruno. Comment ça va, toi, avec tes élèves? Salut, Mercedes, bon matin. Comment ça va avec mes élèves, là? Je ne sais pas si ça me donne d'en parler. J'ai de la misère avec mon ministère de l'Environnement, de la lutte, changement climatique, développement durable, NDDELCC. Déjà que j'ai de la misère à se souvenir de son nom, je te dis que c'est pas facile. J'ai entendu dire qu'il y avait des démêlés avec la loi aussi, des démêlés avec la justice. Il y a une juge qui récemment aurait dit que, en fait, elle l'a chicané, puis il paraît qu'il aurait mal traité des belugas. Moi, c'est pas fin, ça. Mais bon, en tout cas. Pour ce qui est de la classe, là, la matière comme telle, ben ça va mal. Là. Je dis que ça va mal. Hein. La première chose qui ne fonctionne pas, c'est la communication. Hein? On ne se parle pas. On se parle pas. C'est la base. Qu'est-ce qui peut fonctionner si on ne se parle pas? J'ai tout fait. Hein? J'ai tout essayé. Je lui ai demandé. Je lui ai écrit. J'ai téléphoné. Rien à faire. Ça fait des années qu'on n'a pas pris un moment pour se parler. Puis là, ben, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'envoie un télégramme? En club, je ne sais plus quoi faire, t'sais. C'est un gros problème. Puis un autre truc, ah oui, là-dessus j'ai failli me faire avoir, il y a de la triche. Il y
triche. Il y a eu un, c'est un cas où est-ce que sur la matière de soutien à la mission prépondérant dans le financement, j'ai failli me faire avoir. La quasi-totalité du financement est versée à des projets finalement. C'est ça que je me suis rendu compte. Il a réussi à glisser dans ces trucs un financement à des groupes qui ne sont pas des groupes d'action communautaire autonome. Mais je m'en serais jamais rendu compte si je n'avais pas, si j'avais pas fouillé. Fait qu'en tout cas, il faut fouiller, mais bon, la triche, avec 0% là-dessus, 0% communication, 0% sur la prépondérance. Donc ça se passe pas bien. Il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres étudiants où la prépondérance ça marche pas, ou ça l'environnement, secrétariat de conditions féminines. Mais des fois, mais ça baisse là. Je me demande si mon écolo, il y a vraiment de l'environnement. Merci, on se pose. Puis toi, comment ça se passe de ton côté? J'entends tout le temps parler de ton étudiant, comme quoi t'as le meilleur étudiant au monde, même de l'univers au complet. Ouais, ça c'est vrai qu'il est pas pire là. Son surnom, là, c'est le M3S, là, parce que lui aussi, son nom, santé, services sociaux, ça m'a amené, on se tanne. Mais il ne faut pas se gêner, tu sais, on est deux profs à surveiller, là, puis c'est pas ça qui finit par avancer, quand même. Là. Puis, il faut reconnaître, là, que c'est le plus riche, la classe. Mais, dans le fond, là, il n'investit pas tant que ça dans ses études. D'une année à l'autre, là, ses frais courts, là, c'est juste 2% dans l'ensemble de son budget, là. Bonne allocation, lui, par année. Fait qu'il pourrait contribuer plus. Puis ils se vantent, là, d'avoir 3000 amis Facebook, là, mais ils ne nous offrent pas toujours l'aide quand il y en a, là. Puis j'ai souvent entendu dire qu'ils n'étaient pas équitables. Puis qu'en plus, ils promettaient des fois de l'argent qu'il n'y avait pas. Fait qu'au niveau de le coût en comptabilité sur l'augmentation des subventions, là, il y a 2%. Fait que c'est pas fort, hein, mais le plus grave, c'est comme tu l'as dit, la moyenne. Au niveau de l'augmentation des subventions. Il y en a 6 qui ont 0. Ils nous donnent des gros pourboires. Puis le ministère là, de la lutte pour l'environnement, là, le tien, là, je ne sais pas si je l'ai nommé comme il faut, là, mais il ne fait pas mieux. Puis une autre note, ben, vraiment pas bonne pour la M3S, c'est au niveau du cours sur le seuil plancher. À ça, moi, je lui ai donné 30% cette année. C'est pas acceptable. Hey, c'est un élève qui s'est élevé à l'école depuis 1973. 41 ans de scolarité. Tu sais, il n'a pas encore réussi à appliquer les règles de base des seuils planchers nationaux. En tout cas, je ne perds pas espoir. Maintenant, il va comprendre. En fait, il semble commencer là, à comprendre un peu, puis ça me permettrait d'atteindre l'équité. Début. Mais la moyenne est faible, la classe, 38% sur ce sujet-là. En fait, il y en a juste deux qui passent, hein? Le ministère là, francophone, là, où je ne sais plus pour le nom, moi, j'ai abandonné. Hein? L'international, là. Puis l'autre, là, l'espèce d'argent de communication en partiel, zéro. Hey, ça fait 12 ans que la politique de l'action elle en parle. La politique gouvernementale, elle en parle depuis 12 ans des seuils planchers. Il va falloir un programme pédagogique particulier là-dessus, là, pour faire assimiler les connaissances. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment les mauvais côtés qu'on voit avec ton élève, l'écolo durable, là, il a toujours des bonnes notes quelque part. Non. Non, c'est pas si pire que ça, j'imagine, en tout cas, j'espère le voir. Un des bons points de mon écolo, c'est qu'il se pointe. Il vient en classe. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose. Si on le compare surtout à ses collègues, les trois petits là, qui s'occupent de l'environnement, il y a le MRN, le MAPAC, puis le petit dernier, là, le MUF. Pardon, peux-tu répéter? Oui, c'est ça, il y a vraiment un coucher d'or. C'est ça, donc il se pointe, hein, 100% pour le fait qu'il soit là. Les 8 critères de la COP aussi sont là. Hein, donc pour cette matière-là, ça va. Il y a un programme, le seul programme dont il mentionne. Peut-être que même au prochain bulletin, on se rend compte que ce programme-là, finalement, il n'est plus là. Mais pour l'instant, en tout cas, avec ce que j'ai vu à la dernière évaluation, il y avait un programme, on est allé jusqu'à 8, ça va. Donc le peu qui est fait, est bien fait. T'es positif finalement, toi. J'essaye. Il y a d'autres élèves aussi qui ont fait des progrès là-dessus. Hein? On sait que la moitié de la classe a 100%. Donc, mais c'est pas le cas de ton 3S d'ailleurs. Il n'y a pas ça. En tout cas. Puis, pour ce qui est du calendrier des versements,
du male sur le saquet pour la condition féminine, ils ont moins que 70% pour la ponctualité des versements. Pourtant, ils sortent les pieds et bourses en même temps que tout le monde. On ne sait pourquoi. Mais là, je pense à ça. Là. Je me dis, peut-être que mon écolo, il pourrait parler au 3S. Penses-tu qu'il serait une bonne source d'influence? Peut-être, c'est vrai que les matières, il est pas mal fort. Il y a quand même eu 80% de travail pratique sur l'indexation, puis 86% à son examen sur la prépondérance. Je me disais, il me semble que, pas pire. Mais je commence à m'inquiéter. Il pourrait s'ennuyer. Tu sais, des élèves bons dans les classes qui sont en majorité, là, pas bons, en difficulté d'apprentissage, ils finissent par perdre la motivation. Puis sur l'indexation, j'ai peur que ça arrive. Puis la moyenne d'indexation, c'est 9%, il y a l'ensemble de la classe. 7 élèves sur 10 qui ont dit bon, il faut le faire. Là. Il y a la sportive, là, celle-là là, qui a des enfants, la mère de famille, le propriétaire de l'événement en classe, celui-là encore, la femme de communication qui est zéro, la secrétaire là, féministe là, aussi là, qui est zéro là-dessus. Fait que ton écolo, bien entendu. Puis le président de la classe zéro là-dessus, là, sur l'indexation, là, franchement, là, ça s'accepte pas. Comment ils vont faire pour suivre l'augmentation du coût de la vie? Ils ne comprendront jamais la base de l'économie. Mais personnellement, là, comme féministe, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la secrétaire, là, je la vois dans toutes les réunions féministes. Comment ça se fait qu'elle est si poche partout comme ça, sans me dépasse? 0% dans 5 matières. Ça me dépasse. Ça fait dur, hein? Mais je sais pas, j'essaie de réfléchir. Je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vos élèves s'améliorent, à part de les expulser? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me dis, peut-être la première chose, hein, c'est que la motivation. La motivation, c'est super important. C'est compliqué, mais c'est important. Si les élèves étaient peut-être plus encouragés par leurs parents, il faut avoir une idée, il faut avoir une mission. Hein? Il faut qu'on ait une volonté quelque part de le faire, il faut qu'on veuille y arriver quelque part. Peut-être, si ça marche pas. Peut-être d'aller dans le bureau de la directrice. Je sais pas, je me dis que ça pourrait pas lui. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu d'autorité, hein? Ça ne fait pas de tort. Mais ce qui aiderait aussi, c'est qu'il participait plus aux activités parascolaires. Ça fait du bien. Il y a un party d'Halloween qui s'en vient le 31 octobre. Il se déguise, il s'amuse un peu. Club de marche. Il y a plein de manifs. Ça ferait du bien. Il marcherait un peu. Il pourrait s'aérer les neurones un peu. C'est bon pour les petits. Oh! Ah! Ouais, faut qu'on y aille. Moi, je m'en vais donner. Je donne le cours sur l'équipement de la COP, puis on apprend tout le monde ensemble à compter jusqu'à lui. Ouais, ben moi aussi, quand j'aille mon cours sur communication, on simule une rencontre avec la ministre déléguée au service social. Oh, excellent. Bye-bye. Chers élèves du ministère, grouillez-vous, on a besoin de vous. Ça, non. Au moins, ça arrive, c'est bien. Donc voilà, on va passer à la période des questions. Vous avez tous reçu, je crois, un bilan résumé de ce qui a été présenté à l'avant. Donc, comme je le disais tantôt, je le répète au cas où, pour ceux qui se seraient joints en ligne pendant l'exercice, tous les bulletins détaillés avec les commentaires dans tous les critères qui ont été évalués vont être disponibles en ligne cet après-midi sur le site www.snv-acr.org. Vous aurez tous les bulletins disponibles. Et pour ceux qui sont ici dans la salle, ils sont ici à votre gauche, tous affichés le long de la rampe. Vous pourrez aller les consulter si vous voulez. Donc, on a à peu près 15-20 minutes de questions. Je ne vous pas si vous avez des questions. S'il y a des gens qui sont en ligne également et qui veulent poser leurs questions via le chat, Philippe, qui est notre webmestre, va nous les partager. Donc voilà, la question est ouverte. Est-ce qu'il y en a qui s'interrogent, voulant avoir des compléments d'information? C'est le temps. Les professeurs sont tous ici. Ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions.
Il y a une question ici en arrière. Pour les besoins de la cause et pour que ça soit bien enregistré, je vais amener le micro. Timba Tarpano de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Merci à tous les professeurs pour ces bulletins et ces évaluations. On voit bien que l'éducation au Québec a beaucoup à faire parce que nos étudiants ils sont en train vraiment de nous inquiéter sérieusement. Mais je voudrais savoir, est-ce que ces élèves-là ont déjà reçu les bulletins et qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, les élèves n'ont pas encore reçu les bulletins. Chacun des professeurs va être appelé à aller lui présenter son bulletin et lui proposer des mesures à entreprendre. Et vous pouvez vous assurer que l'école de la CAR va faire parvenir, et je m'en assure personnellement, va faire parvenir ce bulletin au tuteur, le premier ministre, à son adjoint, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et aussi à la commission scolaire, le comité interministériel de l'action communautaire. Merci. Donc, voilà, merci. Vous avez d'autres questions? Est-ce que, oui, il y a une question ici. Cher Valérie,